Salut tout le monde, c'est Nas Réaction et là on va regarder une story de GMK008 avec toutes ces belles voitures et je vous dirai ce que j'en pense. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Ferrari. Mal, j'aime bien le rire de ça. Aventador. C'est une usine ici. Spider. Mansouri. Urus. Chiron, Bugatti, Urus à Dubaï, Ferrari. Bon la famille, j'espère que ça va. Aujourd'hui, je suis allé rendre visite à une association qui me tenait beaucoup à cœur. Je vous en parler aujourd'hui ou demain. Je vais vous poster quelques snaps, quelques infos là-dessus. C'est important de consacrer de son temps quand même aussi pour ce genre de choses. Donc je vous explique tout ça un peu plus tard ou alors demain. Voilà, là je suis sur la route. En attendant, il y a des barrages de gendarmerie à tous les péages. Parce que je vous rappelle qu'ici c'est confiné le week-end. Super nouvelle. Sexy Nine en discussion avec GMK, la preuve. Lamborghini. Eh ouais, j'ai la tête qui dépasse, cousin. Monaco. La famille, cette semaine, on vous annonce qui est-ce qui a gagné le concours que j'ai fait avec les frangins chez MS pour conduire le Urus. Venir ici, avoir une nuit d'hôtel dans un 5 étoiles. Tout frais payé et je vous refais un nouveau concours dès que j'ai annoncé publiquement le gagnant de celui-là. Comme ça, chaque semaine, on va faire kiffer des gens, frérot. Ça va être ça, le but. Après, je vous cache pas que j'ai bien des idées de concours. Dans ma tête, j'ai un concours où je fais gagner une montre. Ça, je suis en train de le préparer, je suis en train de réfléchir comment faire. Mais donnez-moi d'autres idées, de trucs que je peux payer et faire gagner aux gens. Par exemple, un week-end au circuit au Castellet, sur un circuit avec une voiture louée, le mec il fume la voiture sur le circuit. Ce genre de choses, donnez-moi des idées originales de concours, pas tout simplement un concours pour un iPhone ou des AirPods ou quoi, un vrai concours qui va apporter quelque chose dans ce que la personne aime, c'est-à-dire des gens ils me suivent pour les voitures, les montres, faut que ça soit lié à ça, tu vois. Les amis, le code promo pour les plaques, c'est GMK. Avec ce code, vous aurez 10% de remise sur tout leur site, d'une qualité de fou furieux. Vos plaques, vous pouvez mettre plein de petites décos comme ça. Ça fait super longtemps que je bosse avec eux. Je suis fermé si vous avez besoin. Et... Et où? Qu'est-ce qui lui est arrivé à la RV6 là? Mad Max, c'est celle qui était tombée en panne. Il lui a enlevé le covering. Et pas que le covering, le pare-choc aussi. Qu'est-ce qu'il a écrit? Nouveau poste, frérot, va laquer. Casino. Telle jolie la montre. Ouais, il met les mains là pour faire ressortir les biceps. Lol. La technique des mains derrière les biceps pour les faire gonfler le temps d'une photo. Convoi diabolique. Black Series RS6. C'est avec une BM lui.
M5, il me semble. Tiens, j'ai l'œil. Lol. Bugatti Chiron, Renault, Modus, Carabinieri du Prince. Palais princier visiteur. J'avais déjà visité là-bas le. Pas le palais, mais le cinéma orthographique. Que je raconte, cinéma orthographique. Le musée océanographique, voilà. Le musée océanographique de Monaco. Aussi le Grand Prix Porsche GT, tout ça. Football aussi à Monaco, j'ai déjà été au stade. Putain, ouais, lui, la moto, quand il se met sur une moto, elle paraît toute petite. La moto. C'est une pocket bike pour lui, tellement qu'il est grand. Je pense à ça là, car je trouve que sur les réseaux sociaux, les gens, sujets inutiles, sont mis à la une trop souvent, mais des gens qui donnent leur vie pour un pays, on le voit pas, pas faux. Donc voilà qu'il repose en paix, un grand respect pour lui, un gros soutien à tous les militaires qui sont aussi bien souvent des passionnés de grosses voitures, qui donneraient leur vie pour leur peuple, grosse force à vous. Bugatti Veyron. Qui était la voiture la plus puissante du monde à son époque? Elle a été trônée par la Chiron. Moi, après les roues de montagne, ça me rassure pas, moi. J'ai peur, moi, quand il y a. Là, ça va, il y a. Là, ça va, mais en montagne, j'ai peur des falaises, tu vois. Je sais pas, depuis que j'ai 30 ans, j'ai le vertige. J'avais pas tant de vertige avant. Je sais pas, c'est dû à quoi. Les amis, j'espère que ça va. Aujourd'hui, c'est dimanche. Moi, je suis de passage chez l'association Adrien. Donc, c'est une association qui s'occupe d'enfants malades, peu importe les maladies, des maladies plus ou moins graves, entre guillemets, mais des enfants qui ont besoin d'aide quand même, entre guillemets, c'est-à-dire qui ont besoin de passer du bon temps, etc. Et là, on est sur un de leurs derniers projets, c'est un espèce de grand centre de vacances, en fait, pour enfants dans des situations de santé un peu compliquées, qui viendraient ici pour passer du bon temps. Donc, je vais vous montrer tout ça, je vais vous expliquer un peu le concept de l'association, et voilà la fête. Donc comme vous voyez, c'est un projet qui est en cours, c'est un gros projet quand même, qui leur coûte pas mal d'argent, vous voyez, il y a carrément des grues et tout. Et tout ça en fait, ça serait un centre de vacances pour les enfants malades qui viendraient passer du bon temps ici avec leur famille, etc. Donc vous voyez, c'est assez conséquent quand même, c'est un gros projet. Donc vous voyez, ça c'est ce à quoi devrait ressembler le projet une fois qu'il serait fini. Donc comme vous pouvez le constater, voilà, ça serait super beau. Et ici c'est le logo de l'association et ça serait du coup la maison d'Adrien. Bon les amis, je vais vous présenter René maintenant, qui est le président de l'association. Voilà, qui est là. Bonjour à tous et merci GMK d'être à nos côtés aujourd'hui. C'est avec un grand jour plaisir. Important. Ben. J'ai créé l'association Adrien donc en 2005 suite au décès de mon fils qui était atteint d'une maladie orpheline incurable et donc mon fils allait sur Monaco et sur Paris pour se faire soigner et depuis donc 15 ans. Ah ça y est, je m'en souviens. L'ancien président de l'ISCAN aussi, il en avait fait, il avait soutenu l'association Adrien. L'association Adrien, donc en 2005, suite au décès de mon fils qui était atteint d'une maladie orpheline incurable, et donc mon fils allait sur Monaco et sur Paris pour se faire soigner. Et depuis donc 15 ans, l'association Adrien, dont je suis le créateur, vient en aide à tous ces enfants qui ont besoin d'énergie positive pour lutter et combattre. Mmh. Et ça, c'est hyper important. Et là, ce que vous êtes en train de voir, c'est la maison d'Adrien, c'est ce que nous souhaitons créer pour donner encore plus de dynamisme, encore plus d'énergie positive à tous ces enfants. Donc là, du coup, on voit un peu l'évolution des travaux. Donc ça, c'est une maison, en fait, qui est censée accueillir des enfants malades pour qu'ils viennent passer du bon temps ici, c'est ça? Absolument. Tout au long de l'année, donc des familles d'enfants malades viendront de toute la France en hébergement. Il y aura 10 appartements, mais également aussi en accueil de jour, des enfants qui viennent de notre département, de notre région. D'accord. Ils pourront venir se ressourcer dans la maison d'Adrien. D'accord. Donc ils viennent, ils passent du bon temps avec leur famille, ils rigolent. Et il y aura des personnalités, bon, dont moi, même si je ne suis pas vraiment une personnalité, mais qui viendraient du coup avec des grosses voitures. Il est top. Ah, c'est gentil. Il est top, il Merci. Est magnifique. Merci. Non, non. Mais on viendrait avec des grosses voitures un peu, voilà, leur faire des tours de voitures, les faire kiffer. Même moi, j'essaierai de ramener le plus de gens, entre guillemets, connus que je connais.
tout pour les faire kiffer. C'est ça le but en fait. C'est absolument ça. Okay. Leur donner du rêve à ces enfants qu'ils ont des courtes ou longues vies. Ils ont besoin de vous tous. Exactement. Unissons-nous pour un projet d'intérêt général et pour tous ces enfants qui ont besoin de vous tous. Exactement. Je suis tout à fait d'accord. Bon, et là je suis sur le chantier avec mon pote Zobi. Ça va, frangin? Ouais, ça va. Hein? Bah, tu fais des vidéos YouTube toi? Ouais. De quoi? De jeux vidéo? Oui, un peu de jeux vidéo, ouais. Du sport, des trucs sport. Comme ça. Voilà. Bon, bah c'est un frangin. C'est Xobi. Attends. Voilà. Bon, bah c'est un frangin. Il est dans l'association aussi. Donc donnez-lui de la force. Il y a le lien de sa chaîne. Si vous voulez lui mettre plein de gentils commentaires, vous abonner à la chaîne, etc. N'hésitez pas, la famille. Bon, et du coup, René, qu'est-ce qui manque là pour finir tout ça? Parce que c'est énorme. Il nous manque 300 000 euros pour finaliser le budget prévisionnel d'investissement. D'accord. Donc, s'il y a les 300 000 euros, vous pouvez concrétiser tout ça, tout construire et le projet sera terminé, c'est ça? Absolument. En fin d'année, c'est notre souhait. Donc, en tout cas, on en rêve et les enfants aussi. D'accord. Et du coup, il y a un suivi. Donc, pour les gens qui font des dons, bien évidemment, c'est transparent, etc. Et si jamais ça vous intéresse, les amis, que vous voulez contribuer à ça, c'est pas du tout une obligation, bien évidemment. Évidemment, mais si ça vous intéresse, vous pouvez glisser vers le haut, vous atterrirez sur le site et vous aurez la possibilité de... déjà de voir un peu toutes les informations là-dessus et de faire un don éventuellement si jamais vous voulez. Merci. Donc voilà. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Putain, mais c'est quoi ces filtres de merde, quoi? Ils m'ont mis une espèce de sandale en plastique de merde. Au moins, ce qui est bien, c'est qu'elle a sorti à la ceinture de la voiture, tu vois. Et au tout jaune. Celle-là, c'est une Spider, Insta Spider. Putain, en fait je la kiffe, ça me va trop bien, j'ai un vrai look là. Putain, en fait je la kiffe. Mais je crois qu'on a un petit problème au niveau de la taille. C'est-à-dire que là, en fait, si je veux fermer la porte, la porte se ferme sur ma tête. Donc déjà que je suis un peu dégarni, tu vois, ça risque de me fatiguer un peu plus encore. Je me rappelle la vidéo, il avait du mal à sortir d'une Lamborghini sur le port de Monaco, c'était, il me semble. Il a galéré, il s'est mis dans tous ses états. Il a fait de la gymnastique pour rentrer, pour sortir d'un... À Dubaï, 70 km heure, ça te réveille des tombeaux, tout ça. Donc voilà, petite story. Ouais, la maison d'Adrien, j'en avais entendu parler au Canet, je me rappelle. Donc voilà, sinon c'était la story de GMK, toujours en train de nous montrer des belles voitures, tout ça, pour les passionnés de voitures. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.